Moi, c'est Mathieu. Là, j'ai 38 ans bientôt. Et mon blast d'artiste, c'est Freak City. J'ai fait un peu de tatou, je fais des pochettes de disques, j'ai fait des collabs avec des marques de skate, de surf, des magazines, ouais, de la presse, des journaux, des choses comme ça. Mais tout se base à peu près autour du dessin. Tout est quand même fortement lié à mon background musical, quoi. Freak City, du coup, c'était à la base le nom d'un projet que je voulais monter. C'était encore un peu incertain ce que je voulais faire. Je savais juste que c'était lié à l'illustration, à la peinture, etc. Mais Freak City, c'était plutôt l'idée que j'avais de mon univers urbain, peuplé de monstres, de créatures en tout genre et tout. Et je voyais ça comme un espèce de projet multiple qui soit capable d'être de l'édition, de la bande dessinée, de l'illustration, etc. Et c'était ça que je voyais comme Freak City. Puis après, j'ai commencé à faire des commandes et j'ai gardé ce nom-là. Puis en fait, d'un nom de projet, c'est devenu mon nom d'artiste, en fait. Et puis, je suis jamais vraiment revenu en arrière par rapport à ça. J'en suis pas plus fan que ça, mais il est là, bon. Le dessin, pour moi, c'est quasiment instinctif et naturel. C'est quelque chose que je fais depuis l'enfance. Et il y a cet aspect hypnotisant, en fait. Tu te perds dans un truc pendant des heures et des heures. Il y a des bienfaits là-dedans, en fait. Tu crées ton monde, tu crées ton illustration, tu la vois évoluer. Il y a un rapport à la concentration et à la création qui est hyper épanouissant. Et après, je l'ai toujours fait depuis que j'ai petit, c'est-à-dire à dessiner, etc. Et j'ai toujours dessiné en plus des pochettes de disques avec des têtes de mort, des groupes fictifs. C'est-à-dire que je crois que je commençais à faire des pochettes de disques avant même de jouer réellement dans l'instrument. Parce qu'il y avait ce truc, ce besoin super visuel, en fait, d'avoir directement un impact, en fait, quoi. Quand je débute un projet, la première source d'inspiration, c'était la musique. Parce que c'était les pochettes de disques pour moi. Je pense que les premières qui m'ont impacté, c'était quand j'étais gamin, genre en primaire, mais j'écoutais même pas les groupes, mais genre de voir des pochettes de Iron Maiden, des choses comme ça, avec des squelettes, des trucs complètement dingues, peints à la main, ça m'impressionnait. Et du coup, je sais que j'ai toujours voulu faire ça, en fait, faire des pochettes un peu badass comme ça, tu vois, ou faire du rock. Enfin, en tout cas, les deux vont ensemble, ça allait, ça, pour moi, c'était un truc qui allait de pair. Mes inspirations, ça va être dans mes références en fait, la bande dessinée indépendante américaine que je vais lire, la bande dessinée franco-belge des années 80, les pochettes de disques, les visuels de skateboard de Powell Peralta, tout ce que tu veux, enfin Santa Cruz. Mais c'est toujours lié à une espèce d'esprit un peu, on va dire, trash, death, skate, fun, punk, enfin il y a tout ce truc-là en fait, c'est bien 80s, c'est lié à la bande dessinée aux comics, toujours un peu agressif quand même, c'est vraiment lié à ce que j'écoute depuis toujours quoi. Dans l'approche du dessin, j'ai un souci, une volonté de filiation en fait. J'aime bien m'inscrire dans une ligne qui soit une perpétuation d'un style de mes influences et de mes références. J'ai pas du tout la prétention d'inventer un truc ou de le rénover et tout. Par contre, j'essaie de le digérer, de le faire à ma sauce. Et en fait, je sais ce que j'aime, je sais l'identifier, je sais comment ça marche. Et moi, j'ai cette volonté de m'inscrire dans ce créneau graphique-là en fait, quoi. Donc, que ça soit musical, graphique, artistique et tout, c'est assez cohérent, c'est vraiment un tout quoi, c'est un lien, ça marche bien ensemble, c'est des ponts constants entre toutes ces choses-là, ouais. Bah, du coup, le milieu punk, DIY, hardcore, enfin tout ça là, la scène entre guillemets dans laquelle j'ai évolué, elle m'a apporté déjà une certaine discipline de travail parce que en parallèle, quand je développais mes illustrations, je m'occupais aussi d'orgas de concert, d'un fanzine, j'ai fait un peu de radio, enfin bon, on a fait une distribution de disques aussi, j'ai fait toutes ces choses-là, qui t'obligent à être un peu organisé, carré, à savoir ce que tu veux et tout. Donc c'était du bricolage et de l'artisanat constant. Et ça m'a obligé à me donner les moyens d'obtenir ce que je veux, quoi. Parce qu'on était en autonomie, donc je le faisais pour moi, je savais où j'allais. J'allais chercher ce truc et tout, et je repoussais mes limites, quoi. J'avais pas tellement de bagages, ni financiers, ni scolaires, ni quoi que ce soit, ni parental derrière. Donc en fait, je me suis déterminé à me dire, je veux faire ce truc-là pour m'en sortir, ça va être ma porte de sortie à moi, en fait, pour réussir à faire ce que je veux. Et donc, bah, j'ai bataillé, quoi. Et le truc du punk, ça a été un bon cadre, parce qu'en gros, les projets étaient cool et c'était excitant, parce que c'était pour des groupes que j'aimais bien, des potes, c'est des potes qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié leur visuel, quoi. Les t-shirts, tu le sais bien, quoi. Les t-shirts, les pochettes de disques, etc. Moi, mon modèle, de toute façon, un peu, c'est Henry Rollins, quoi. J'adore ce truc-là, de le mec sait où il va, il y a ce truc un peu jusqu'au boutiste, extrême, hardcore, là tu fonces, tu te donnes les moyens de le faire et tu regardes pas derrière quoi. Parce que tu l'as toujours fait en DIY et que de toute façon
Si on te le donne pas, tu te le donneras tout seul, quoi. Tué par la mort, c'était un projet éreintant. C'est un gros bouquin qui est rédigé par Lelo, Jimmy Battista. Et du coup, ça nous a pris plusieurs années. Donc déjà, fallait jouer le côté marathon, ce dont j'ai pas l'habitude. C'était avec Hachette, donc la grosse structure, fallait gérer la diffusion, enfin, c'était assez intense. Et du coup, il y a la satisfaction matérielle de le voir sortir. C'est quand même, t'as l'objet, quoi, t'as un livre concret, matériel, que tu vois en librairie, tu le vois partout, tu vois circuler, il est diffusé, on va le promouvoir à la radio, dans les salons du livre, etc. Il y a un côté plus palpable dans l'accomplissement qui fait que c'est quand même gratifiant, quoi. J'en ai souffert, je voulais plus en entendre parler, mais j'aimerais bien qu'il y en ait un autre, ouais, ce genre de bouquin. Ça fait un peu de bruit, ça marque le coup, c'est un bel objet. Royal Béton, c'est un duo de peinture qu'on a monté avec Duche, avec qui je bossais à Bordeaux. On allait peindre le dimanche, peut-être en friche, un peu ensemble des fois. Et on s'est dit, bon, on va proposer ça en fait en atelier ou en fresque, quoi. Donc on s'est mis à faire des fresques dans des lycées, en scolaire, dans des trucs privés. Et on a fait des terrains de basket aussi, enfin, on a commencé à bosser pour les mairies. Et après, en plus de ça, on avait monté aussi Mondo Zéro. Donc là, ça c'est un collectif d'édition. Parce que c'est pareil, on se retrouvait avec des potes de Bordeaux sur les mêmes salons. Donc là, on se retrouve à 4. On a sorti des bouquins. On a fait, on a invité quasiment tous les artistes avec qui on rêvait de bosser, qui ont accepté de faire un dessin. Donc c'était chouette. On l'a diffusé de New York à la Corée, à l'Allemagne. Enfin, on l'a vraiment bien diffusé. Et puis ça nous a fait voyager sur des salons à Berlin, à Madrid. Enfin, on a quand même un peu voyagé avec ça et c'est plutôt chouette, ouais. Graphiquement, il y a des choses qu'après que je veux expérimenter. C'est hyper difficile de sortir de mon style et de mon confort. Moi, j'étais vraiment le mec bloqué avant en dessin traditionnel, encre de Chine sur papier à la main, parce que j'avais ce besoin de travail traditionnel, en fait, de labeur un petit peu. Et déjà dernièrement, là, ça fait quoi, un an ou deux, je me suis mis au pur digital. Ce qui fait que je suis plus mobile déjà, je peux bosser partout, c'est moins laborieux, il y a un truc plus moderne, enfin plus contemporain qui me plaît aussi. Je reviendrai au dessin papier quand j'aurai besoin, mais ça m'a enlevé un poids. Et du coup, tout ça, ça m'amène vers des choses que j'aimerais plus fluides, et notamment peut-être l'animation, parce qu'en fait, maintenant, quand je dessine, tu fais un flyer ou une affiche pour un festival, on va te demander un teaser, quoi. Donc en gros, là, je me suis vu bosser depuis quelques années sur des teasers animés, justement, de mes dessins décomposés, je bosse avec des animateurs. Moi, j'aimerais bien avoir une certaine autonomie là-dedans aussi, en fait. J'ai toujours ce truc-là d'apprendre et de compléter un peu les savoirs, ça me rajoute des cordes à mon arc et tout. Et je m'éloigne du dessin noir sur papier blanc, tu vois. Parce que sinon, je suis pas quelqu'un qui expérimente beaucoup, en fait, quoi. Je suis trop dans une mécanique de reproduction et d'efficacité en fait en mode pilote automatique, donc j'ai pas trop le temps, je prends pas le temps d'expérimenter, de tester des choses, donc j'ai besoin d'aller à l'efficacité. Et là du coup, ouais, ça serait trouver des moyens d'être plus efficace sur mes fraises, de bosser en grand et de passer à l'animation, ouais, ça serait bien. J'ai des projets en permanence, c'est une course que je pourrais pas gagner, ça je le sais, je suis en paix avec ça. Donc en fait les projets, ça va être de refaire un nouveau un fanzine personnel, quoi, en fait, parce que les fanzines personnels, j'aime bien, ils marquent des étapes un peu dans ma carrière, entre guillemets, ça verrouille une paire d'années, en fait. Voilà, je viens de passer 5 ans, je sors un bouquin, on fait le point, puis j'enchaîne sur une autre période, etc. Donc là, j'aurais besoin de faire ça. C'est plutôt une question d'équilibre, en fait, c'est-à-dire de retrouver un équilibre. Avant, j'étais dans une espèce d'urgence. En fait, c'est ça qui a changé, surtout, c'est qu'avant, il y a quelques années, j'avais ce besoin de validation, en fait, d'étapes, avec l'urgence de réussir, entre guillemets, de faire ça, ça et ça, d'être publié là-dedans, etc. Maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec tout ça parce que y a plein de choses dont je rêvais, auxquelles j'ai accédé, donc j'ai validé mes besoins, quoi, c'était cool. Et maintenant, je vois plutôt le truc à long terme, en fait. J'ai besoin de développer, que ça s'inscrive dans le temps et de voir vraiment plus ça avec sérénité. En fait, je vois ça loin, j'ai plus besoin d'autant de coups d'éclat ou de paillettes ou de choses comme ça, quoi. J'ai plutôt envie de m'inscrire dans un truc pérenne et tout, et puis de voir vers quoi ça m'amène, il y aura forcément des changements. Mais globalement, c'est plutôt d'être en paix avec mes projets, mes buts, mes objectifs, et prendre le temps de les vivre bien et les gérer. Ouais. Ça serait ça, mon projet.